Salut à tous, vous écoutez Calivision. On va parler aujourd'hui de la loi Avia, dite loi contre la haine, dite loi cyber-haine. Alors, une loi qui fait peur à beaucoup de, de gens pour de nombreuses raisons. Euh, C'est la première loi déjà qui a été votée depuis la fin du confinement, depuis le début du déconfinement. Donc, euh, un petit peu en urgence, LREM s'est précipité pour voter cette loi, une loi qui fait. Extrêmement polémique, loi contre la haine, donc sur Internet. Euh, C'est une loi qui a été dénoncée par absolument tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, par des associations de tous bords. Euh, on a des députés France Insoumise, mais aussi Dupont-Aignan, Marine Le Pen, euh, l'Inter-LGBT, la Commission des droits de l'homme, même la Commission européenne euh, a dénoncé cette loi. Donc, euh, déjà un exploit assez sensationnel, réussir à mettre tout le monde d'accord contre cette, cette loi. Donc elle a été votée hier, mercredi 13 mai 2020, et elle entrera en application le 1er juillet. Alors qu'est-ce qu'elle contient Qu'est-ce qui va changer à cause de cette loi Ou grâce à cette loi, si vous êtes un député LREM, euh, vous félicitez sans doute qu'elle ait été adoptée. Euh, donc la pression avec cette loi va être mise sur les plateformes en ligne, tous les sites Internet, réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, YouTube. Google, les moteurs de recherche, même en fait tous les sites Internet. Donc les sites Internet auront l'obligation de mettre en place un système de signalement et devront supprimer... Tous les contenus dits haineux. Alors déjà, euh, le mot de contenu haineux, l'expression contenu haineux, elle est assez vague. Euh, juridiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors évidemment, tout le monde est contre la haine. Hein. Je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contre la haine. Mais est-ce que la haine est pour autant euh, illégale Alors dans certains cas, oui. Euh, mais là, c'est vrai que vous le voyez, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de cas qui sont euh, qui peuvent tomber sous le, le coup de cette loi. Donc euh, on a euh, l'apologie de crimes, discrimination de genre, de sexe, d'ethnie, de religion, contestation de crimes contre l'humanité, harcèlement sexuel, injures racistes, homophobes, handiphobes, sexistes. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, vous le voyez là, vous avez la liste complète. Vous avez tous les liens évidemment dans la description. Donc, les plateformes Internet devront supprimer ces contenus sous 24 heures. Donc, c'est une solution pour lutter contre la, la haine en ligne. Et c'est vrai qu'on peut, ne on peut que le constater. Il y a beaucoup, beaucoup de, de violence, de haine sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour autant, cette loi était la meilleure façon de le faire Ça reste à prouver. La quadrature du net est vent debout depuis des mois contre ce projet de loi qui a désormais été adopté. Euh, pour plusieurs raisons. Hein. Vous avez là le, le résumé donc, de, de cette de cette loi, c'est tout simplement que si les plateformes en ligne ont obligation de supprimer les contenus très rapidement, elles vont devoir mettre en place un système de censure automatique, censure massive, donc peut-être avec des robots, peut-être avec des, des, des outils algorithmiques qui ne sont pas forcément très équipé pour juger d'un propos ironique, d'un propos qui serait non pas raciste mais antiraciste, mais en utilisant par exemple des, des mots tendancieux. Donc ça, ça pose beaucoup de questions. Un algorithme évidemment est beaucoup moins bien formé qu'un juge pour déterminer si un, un contenu entre guillemets ou un propos tombe sous le coup de la loi, étant donné que cette loi vise des contenus... Qui sont euh, dits manifestement illicites. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par manifestement. Alors dans le cas de la pédophilie, bon, on a quand même une idée. Euh, J'imagine que c'est assez facile de déterminer si un contenu est pédophile, euh, mais dans le cadre de propos euh, discriminants, si ça ne passe pas par un juge, ça peut poser question et on risque de se diriger euh, vers un système où finalement les réseaux ne vont pas prendre de risques et vont censurer en masse euh, eh bien, des contenus qui pourraient être jugés euh, donc... Euh discriminant, euh, raciste, euh, sexiste, etc. Euh, donc, ça, ça pose quand même beaucoup de questions. Euh, notamment, là, la quadrature du net nous l'explique. Donc, euh, cette loi exige que tous les sites web, pas uniquement les plateformes géantes, censurent. Donc, euh, alors, ça a été finalement retouché en, en 24 heures. Euh, les contenus... Euh, non, ça, pardon, c'est des contenus, il faut les censurer en une heure. Les contenus signalés par la police comme relevant du terrorisme, sans que cette qualification ne soit donnée par un juge, mais par la police seule. Et c'est le cas également des contenus pédophiles. Donc la séparation des pouvoirs est entièrement écartée, nous dit la quadrature du net. C'est la police qui décide des critères pour censurer un site. En droit, la notion de terrorisme est suffisamment large pour lui donner un large pouvoir discrétionnaire, par exemple contre des manifestants. C'est la police qui juge si un site doit être censuré. C'est la police qui exécute la sanction contre le site. Le juge est entièrement absent de toute la chaîne qui mène à la censure d'un site. Alors malgré ce que disait hier euh, la ministre de la Justice Nicole Belloubet pendant euh, le, euh, le, la discussion de la loi au Parlement, et disait on remet du juge alors c'est expression un peu bizarre on remet du juge dans l'équation mais en fait c'est pas du tout le cas euh, c'est absolument pas le cas euh, le, le juge il va être appelé euh, dans un second temps d'abord votre contenu va être supprimé et puis si ça a été supprimé à tort il va falloir là euh, faire appel à un juge ça prend du temps etc pendant ce temps votre contenu il a été censuré donc euh, je prends mon cas personnel je fais des vidéos imaginons qu'une de mes vidéos soit signalée euh, évidemment à tort puisque je ne fais pas de contenu haineux euh, voilà je suis évidemment contre le racisme l'homophobie etc vous le savez bien donc euh, je ne vais pas avoir de contenu haineux mais peut-être que euh, des, des petits rigolos des trolls peuvent signaler mon contenu par exemple et bien ensuite pour euh Faire reconnaître que mon contenu a été signalé à tort, là, ça va être un parcours du combattant. Par contre, pendant ce temps-là, une vidéo sur laquelle j'ai travaillé pendant des heures va être supprimée. Voilà, je prends mon cas personnel, mais c'est le cas de tous les créateurs de contenu sur Internet et de tous les gens qui tiennent des propos sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, il va y avoir une forme d'auto-censure. On va se dire, mais. Ça, est-ce que je peux le dire Ça tombe peut-être pas sous le coup de la loi, mais peut-être que oui. Donc, je vais me retenir finalement pour ne pas euh, être, euh, être censuré par cette loi et par euh, les algorithmes automatiques des plateformes. Puisque, encore une fois, ce qui va changer, c'est que ce sont les plateformes qui vont devoir effectuer cette censure directement. Sinon, elles peuvent être tenues responsables. Et donc, si les plateformes ne se soumettent pas à cette loi et ne la respectent pas, elles risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial, jusqu'à 20 millions d'euros. Donc, vous imaginez bien euh, Twitter, ils n'ont pas envie de se prendre des amendes de 20 millions d'euros à chaque fois qu'il y a un abruti qui dit un truc raciste. Donc, tout le monde va payer finalement pour les, les quelques haineux sur Internet. Et bien, c'est tout le monde qui va se retrouver euh, jugé et censuré. C'est en tout cas le risque risque euh, qu'on qu court avec, euh, avec cette loi et en plus euh, une façon finalement euh, de passer directement par la police pour juger des contenus euh, terroristes. Alors il y a un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui euh, de ceux qui dénoncent les violences policières. On peut prendre l'exemple de David Dufresne. Euh, si David Dufresne poste une vidéo où on voit un policier qui violente euh, un manifestant en tenant des propos racistes, c'est pas quelque chose de totalement inédit, hein, on le voit de temps en temps. Eh bien, peut-être que les policiers pourraient déterminer que finalement, c'est un contenu qui est haineux. Euh, voilà, même si c'est pas David Dufresne qui est responsable de, de ces propos, le fait de les diffuser, ça peut être con considéré comme un contenu haineux, ce qui veut dire que ce contenu-là pourrait être censuré. Alors, c'est déjà le cas dans certains cas. Il hein. y a déjà des, des, des vidéos de violences policières qui ont été censurées par les réseaux. Mais là, euh, le poids est encore plus fort sur les, les plateformes la responsabilité des plateformes est tellement énorme qu'à mon avis ils ne vont pas y réfléchir à deux fois s'ils ont un doute sur le fait qu'un contenu soit euh, haineux entre guillemets eh bien ça va tout simplement dégager illico presto donc c'est aussi euh, les lanceurs d'alerte euh, ceux qui font euh, de l'information euh, sur des sujets sensibles qui peuvent se retrouver euh, victimes euh, de cette fameuse loi avec ensuite voilà le besoin de référer à un juge qui va mettre des mois avant de trancher, etc. Donc pendant ce temps, évidemment, ça passera euh, sous le tapis. Euh, la loi a été euh, extrêmement contestée, notamment par euh, l'Union européenne. Vous le voyez ici, donc euh, l'Union européenne qui avait écrit une lettre... Euh, en novembre 2019, donc en disant que euh, au motif de lutter contre la haine en ligne, il ne peut être exclu que pour respecter cette obligation, les plateformes en ligne seraient en pratique contraintes d'appliquer un filtrage automatique et général de tout leur contenu, ce qui serait incompatible avec la, avec la directive sur le commerce électronique. Ceci risquerait ainsi d'entraîner la suppression de contenus licites et, par conséquent, porterait atteinte à la liberté d'expression. Donc, c'est pas euh, les, les trolls d'internet qui vous disent que ça va porter atteinte à la liberté d'expression, c'est la Commission européenne et ils sont loin d'être les seuls. Donc, on a aussi euh, le président de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms, qui a qualifié la proposition de loi contre la haine de naufrage de méthode. Le Conseil national du numérique avait condamné également la loi, déplorant l'absence de juges dans la modération, ainsi que la promotion de la censure automatisée. Cet été, David Kaye, rapporteur spécial de l'ONU, partageait les mêmes critiques. Les États ne devraient limiter la publication de contenu qu'en vertu d'une ordonnance délivrée par un organe judiciaire. Les associations également, je le disais, l'inter LGBT qui s'est alarmée, les mesures envisagées par cette proposition de loi ne sont ni conformes à l'état de droit, ni adaptées à la situation. On a également l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, ainsi que Mémoire des résistants juifs de la MOI, qui ont déclaré leur ferme opposition à cette initiative législative qui opère un, une véritable sous-traitance à des intérêts privés. D'une activité de type judiciaire. Évidemment, les associations de défense des libertés sont toutes opposées à la loi. En France, la Ligue des droits de l'homme, le Conseil national des barreaux, Internet sans frontières, reconnaissance numérique et l'Internet Society France. Donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, dans le milieu associatif, au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'ONU, tout le monde est contre cette loi qui a pourtant été adoptée hier. Euh, encore une fois, sous les applaudissements, c'est toujours comme ça que disparaît. La démocratie sous les applaudissements et qu'on se rapproche donc un peu plus euh, d'une forme de, de censure automatisée qui rappelle un petit peu 1984 avec euh, le ministère de la vérité. On a un petit peu cette, euh, cette tendance-là qui se dessine vers, euh, vers la, la République en marche. Hein. Ils il commencent à avoir l'habitude. On se souvient de la loi anti-fake news pendant les élections. On se souvient euh, plus récemment euh, de leur plateforme qui devait déterminer quelles étaient les les bons et les mauvais articles. On sent que c'est quand même une tendance lourde chez ce gouvernement en marche. L'idée que finalement c'est à eux de déterminer qui a raison, qui a tort, qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer, où est la vérité et où est le mensonge, le tout en usant de méthodes policières. Donc effectivement, je pense que la référence à 1984, c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup. Mais je ne pense pas que ce soit à tort hein, que cette référence soit aussi présente dans les discussions euh, en ce moment. Là, voilà, vous avez l'avis euh, donc négatif donné euh, par euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc Malheureusement, ils sont juste consultatifs, donc euh, eh bien, ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas donc, euh, donner un, un avis qui soit euh, euh, prescriptif, mais ils peuvent simplement euh, donner une, un avis. Là, en l'occurrence, il était totalement négatif par rapport à cette loi. Donc euh, voilà, pour résumer, hein, les contenus tombant sous le coup de cette loi sont ceux s'attaquant à la dignité humaine, contenus homophobes, racistes ou sexistes, provoquant à la haine, à la violence et à la discrimination, faisant l'apologie de certains crimes, commettant des injures aggravées, niant les crimes contre l'humanité, se livrant à du harcèlement sexuel, étant des contenus pédopornographiques, provoquant au terrorisme ou se livrant à son apologie. Alors évidemment, euh, on est tous contre ce type de contenu, je pense, moi en tout cas, euh, je suis totalement contre mais c'est vrai que la définition paraît beaucoup trop large beaucoup trop vague beaucoup trop floue et que finalement euh, de nombreuses personnes qui critiquent un peu trop euh, avec un peu trop de virulence le système pourraient euh, tomber sous le coup de, de cette loi euh, ce qui fait quand même assez peur donc euh, je vous mettrai tous ces articles évidemment dans la description euh, ils sont dans la description si vous voulez les retrouver euh, et, et les lire donc pour euh, voir par vous-même euh, ce dont il est question, je vous mettrai évidemment également le texte de loi. Alors euh, pff, encore une fois, le, là, le, les, quand on étudie les textes de loi en France, c'est vraiment mais un tel bordel, c'est incroyable. Hein, euh, comme c'est compliqué, il faut vraiment des, des... Je comprends pourquoi il faut des années d'études pour devenir avocat, parce que c'est d'un compliqué. On sent que c'est pas pour le commun des mortels, hein, de comprendre des, des lois. Euh, Moi-même qui euh, voilà fait un travail quand même depuis longtemps sur tous ces sujets, euh, ça me donne des migraines. Juste de lire des textes de loi, ça me donne des migraines, c'est quasiment incompréhensible. Donc euh, je vous mets tout ça dans la description. Euh, si vous y connaissez un peu, vous pourrez peut-être euh, choper des détails que j'ai pas forcément euh, repéré. Alors pour conclure donc, sur tout ça, on peut quand même évoquer euh, un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, euh, c'est la personnalité euh, de la rapporteuse Laetitia Avia, euh, donc, qui a été accusée de racisme, sexisme et homophobie par euh, différents attachés parlementaires qui ont témoigné dans un article de Mediapart. Donc elle a dit qu'elle allait porter plainte, on attend de voir si ça va se, se faire, en tout cas ce qui a été révélé par Mediapart. Est assez, euh, assez incroyable. Ils ont vraiment. Enfin, on se demande comment ils font à La République En Marche pour toujours choisir des gens comme ça. On ne sait pas où ils vont les trouver, mais ils sont assez, euh, assez délirants. Euh, donc, dans l'article, il était évoqué notamment euh, qu'elle avait un collaborateur d'origine asiatique euh, qui était présenté comme son bouc émissaire par euh, donc ses différents attachés parlementaires. Euh, on lui prête aussi des remarques sur ses collègues femmes qu'elle traite de putes. Voilà, sympa, hein, quand on, on fait une loi contre la haine. C'est toujours, euh, toujours assez ironique. Donc euh, ces méthodes de travail sont décrites comme un système qui vous broie, euh, elle a notamment euh, fait corriger des copies euh, de ses cours à Sciences Po à euh, ses attachés un de ses attachés parlementaires. En tout cas, c'est ce qui est révélé dans l'article de Mediapart. On verra ce qu'il en ressort euh, donc euh, lors de euh, lors de, de la plainte hein, qui va être apparemment déposée par Laetitia Avia. Donc on verra bien euh, ce qu'il en est euh, si les propos qui ont été rapportés par Mediapart sont justes ou pas. En tout cas, il y a déjà un enregistrement qui a été révélé qui semble montrer qu'effectivement, ça, ça corrobore ce qui a été dit dans l'article. Elle-même a reconnu qu'elle avait utilisé l'expression l'amendement des PD. Je cite hein, l'expression donc euh, utilisée par son ex-collaborateur qui était lui-même homosexuel pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. J'ai donc repris ces mots dans un message sans imaginer qu'il puisse être détourné. Alors je ne sais pas s'il a été détourné. Je crois qu'il a été plutôt révélé hein, ce message. Alors certes c'est des communications privées, mais Laetitia Avia elle-même disait que même dans le cadre privé des propos racistes ou homophobes n'étaient pas tolérables. Donc euh, j'imagine qu'on peut euh, bah, révéler du coup des messages privés qui sont euh, de sa part euh, homophobe, euh, sexiste ou raciste puisque finalement ça a choqué euh, ça a choqué beaucoup beaucoup de gens euh, d'autant plus que ce qui était un peu bizarre dans sa défense c'est que à la fois elle a euh, euh, donc euh, nié certains de ses propos ou dit qu'ils avaient été détournés, manipulés, tronqués, mais en même temps, elle s'est excusée, euh, tout en disant qu'elle allait porter plainte. Donc, il faudrait savoir, hein, soit on s'excuse, soit on porte plainte pour diffamation, euh, mais a priori, si elle s'est excusée, c'est que ses propos étaient véridiques, euh, donc euh, voilà, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, voilà, il y a d'autres propos du type euh, ⁇ ça sent le chinois euh, ⁇ des propos sur Aurore Berger en la critiquant euh, sur euh, son physique, sur euh, sa robe, enfin bon, des propos tout à fait sexiste, absolument, euh, absolument délirant que cette euh, rapporteuse de la loi N soit elle-même une personne qui a des propos comme ça en privé. Euh, Il voilà, n'y je... a que la République en marche pour nous proposer comme ça du gorafi euh, euh, IRL tous les jours, c'est absolument incroyable. Euh, mais bon, voilà, on, on en est là. On en est là. Donc euh, voilà, Laetitia Avia qui elle-même reprochait à François Ruffin des propos euh, racistes hein, en disant euh, voilà, travailler pas cher égale être le chinois. Mmh, c'est étrange. Elle-même qui disait apparemment à d'un de ses collaborateurs, en tout cas c'est ce qui a été rapporté par Mediapart, euh, elle disait donc que euh, malgré ses origines chinoises, il n'était pas fort avec mac donc l'appareil pareil, hein, une forme de discrimination, une forme de, de, de racisme. Euh, elle dit aussi à un moment ça sent le chinois, bon, enfin, des, des espèces de propos comme ça, absolument délirants. et donc c'est elle qui nous propose aujourd'hui une loi qui va limiter euh, la liberté d'expression sur internet. voilà. Euh, qu qu'est-ce que, que, dire, que dire de plus, que rajouter à tout ça, euh, à part que, ben évidemment, ça fait peur. Que évidemment avec tout ça, on ne peut voir qu'un développement encore plus grand de la censure sur les réseaux, hein, qui était déjà. Enfin, on ne va pas faire comme s'il n'y avait pas déjà de la censure sur les réseaux sociaux. Mais ce type de loi, euh, malheureusement, va renforcer la chose. Alors on peut rajouter peut-être... Euh, il y a deux possibilités qui pourraient éventuellement faire vaciller cette loi. Il y a d'abord le Conseil constitutionnel qui va rendre un avis prochainement sur cette loi. Je vous tiendrai évidemment au courant sur la chaîne de ce qu'il en est. Et il y a aussi un autre, un autre cas bon, qui n'a sans doute pas beaucoup de chances de se produire, mais on pourrait peut-être l'imaginer dans le cas de certains réseaux, de certains sites. Qui pourrait dire finalement, voilà, on n'a pas envie de prendre de risques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter nos services en France. Imaginez si Twitter demain, ce serait un très bon moyen de mettre une grosse pression sur le, le gouvernement et sur euh, cette cette loi. Euh, si Facebook ou Twitter disaient demain, bon, on n'a pas les moyens euh, et on n'a pas envie de censurer en masse tous nos utilisateurs. Donc, euh, on va continuer à euh, euh, mettre en place nos propres euh, conditions d'utilisation, nos propres règlements, mais on ne se pliera pas à cette loi et donc on va arrêter euh, nos services en France. Alors évidemment, le marché français est énorme, donc il y a peu de chances que ça arrive, hein, je ne vais pas va me faire d'illusions là-dessus, mais c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure euh, que les, les réseaux sociaux, les gros sites, décident euh, par eux-mêmes de se retirer de ça. Bon, je ne sais pas ce que ça, ce que ça vaut, J'espère en tout cas que le Conseil constitutionnel va censurer certaines des mesures qui sont prévues dans cette loi, parce que euh, ça fait vraiment peur tout ça, et déjà on voit que nos libertés sont rognées euh, de plus en plus euh, chaque jour. C'est pas la première fois malheureusement qu'il y a des lois qui limitent les libertés sur internet. D'ailleurs, il y avait déjà un arsenal juridique énorme. On n'avait pas besoin d'une nouvelle loi. Mais là, on franchit encore un cran euh, dans cette espèce de de monde de la post-vérité où c'est la police et le gouvernement qui nous disent euh, quoi dire, quoi croire, qu'est-ce qu'on a le droit d'exprimer ou pas euh, et c'est euh, extrêmement gênant pour pas dire extrêmement angoissant. Donc euh, voilà, merci de votre écoute. On en parlera évidemment dans deux prochaines antennes libres. Je vous salue et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.